À mon commandement. Gardez-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Dépôt de gerbes par Monsieur le maire d'Aury-la-Ville. De Monsieur le maire d'Aury-la-Ville. C'est l'histoire de Dieu qui se dit « Je vais créer un pays qui sera le plus merveilleux qui soit ». Alors il crée un pays superbe, des paysages magnifiques, des montagnes, des plaines, l'eau sous toutes ses formes, océans, mers, fleuves, rivières, torrents. Des plages, des falaises, des champs de blé extraordinaires, des paysages incroyables, des vues à couper le souffle. Un climat idéal, ni trop chaud ni trop froid, des saisons marquées, etc. etc. Et à la fin, Dieu observe ce pays et se dit « C'est magnifique, mais ça va pas, c'est trop parfait. » Et donc il créa les Français. Si je me permets cette petite histoire d'autodérision en introduction, c'est pour faire passer quelques messages en ce jour de fête nationale. D'abord, c'est vrai, nous vivons dans un pays merveilleux. Un pays qui regorge de trésors. Des trésors géographiques, donc, avec les plus beaux paysages qu'on puisse imaginer. Des falaises d'Étretat aux calanques de Cassis. Des trésors historiques aussi, qui racontent l'humanité avec une force incroyable. Des grottes de Lascaux au Terril du Nord. Des trésors architecturaux, témoins de la grandeur de nos idéaux, de nos sublimes cathédrales aux innombrables châteaux que compte la France. Des trésors culturels, si riches qu'ils font l'exception culturelle française, du musée du Louvre au festival de Cannes, en passant par le festival du film d'Aury-la-Ville. Des trésors linguistiques, de notre rayonnante francophonie à la diversité des dialectes locaux. Des trésors gastronomiques, de la ficelle picarde au cassoulet toulousain. La France est belle, et pour des millions de touristes, c'est la première destination au monde. Une destination culturelle, historique, romantique, musicale, gastronomique, etc. etc. Après la France, les Français. Oui, nous avons du génie. Enfin, certains, pas tous. Mais oui, nous avons du génie, et oui, nous pouvons en être fiers. Mais je suis navré de le dire, nous avons aussi une propension déroutante à tout gâcher, à transformer l'or en boue, à ne voir le verre qu'à moitié plein, à râler, à dénoncer, à nous plaindre. Nos dialogues sociaux finissent en guerre sans merci.
Nos chefs d'entreprise sont traités de riches profiteurs, nos chômeurs sont traités de fainéants, nos anciens sont traités de boomers, nos jeunes de bons à rien. Bref, je ne vais pas continuer la liste plus longtemps. Vous connaissez trop bien les déchirements de notre société. Et pourtant, j'aimerais qu'on essaye de voir le verre à moitié plein. À Ory, il faut le reconnaître, nous sommes préservés de nombreux maux que connaissent, hélas, des communes plus éloignées. Nous n'avons pas été touchés par les émeutes récentes, par exemple, ce qui n'empêche pas de temps à autre quelques actes regrettables de délinquance. Mais il me semble qu'on peut se réjouir de l'esprit de concorde qui règne dans notre commune de manière générale. Ces dernières semaines, tous les événements aurigeois ont fait le plein. Fêtes des écoles, fêtes des moissons, différentes fêtes des associations, concerts divers, festivals du lavoir, etc. Tout cela s'est déroulé sans aucun débordement. Tout cela a pu se dérouler grâce à la bonne volonté de tous, les organisateurs, les employés de mairie, les bénévoles, le public. Chacun a œuvré pour la bonne réussite de ces événements. J'y vois un excellent exemple de concorde et d'esprit de fraternité. J'invite chacun à cultiver cet esprit, à faire attention à son voisin, même s'il vit différemment, même s'il pense différemment. Ne nous recroquevillons pas sur nous-mêmes, ne devenons pas des êtres méfiants, ne laissons pas nos langues de vipères s'exprimer. Continuons, par notre action quotidienne, par nos petites attentions de tous les jours, à essayer de faire d'Ory un endroit où il fait bon vivre. Et soyons fiers de notre village, aimons-le et travaillons à le faire aimer, tout comme nous pouvons nous attacher, particulièrement en ce jour de fête nationale, à cultiver la fierté de notre pays, à l'aimer et à le faire aimer. Je vous remercie. Aux morts. Minute de silence. Yes. Marchons, marchons, 1501.
merci de votre présence à tous. On va maintenant se retrouver dans le jardin de la mairie, puisqu'il ne pleut pas encore, pour aller prendre un petit verre de l'amitié. Merci. Et puis merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Vous pouvez venir boire un verre avec nous, il n'est pas trop tard. Merci. Au revoir.